bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous réconcilier avec la salade de betterave. Si vous avez fréquenté l'école, il y a de grandes chances que vous ayez été à la cantine. À la cantine, on nous servait une salade de betterave. Il fallait être assez courageux pour la manger, puisqu'en fait, c'était de la betterave coupée, point, ça s'arrêtait là. De temps en temps, un peu de persil. Aujourd'hui, je vous propose une salade de betterave nettement plus agréable. Si vous avez fréquenté les bancs de l'école et que vous avez été à la cantine, n'hésitez pas à me laisser vos expériences de cantine, vos pires souvenirs ou vos meilleurs souvenirs d'ailleurs. En l'occurrence, pour l'instant, on va s'occuper de la salade de betterave. Pour cette salade de betterave, il va nous falloir une belle betterave qui fait à peu près 400-500 grammes, celle-ci. Un petit peu de salade verte. Il nous faudra aussi 50 grammes de pistache, 50 grammes d'amandes effilées. Et pour la vinaigrette, on va prendre 5 centilitres d'huile d'olive, 2 centilitres de vinaigre de vin, une petite gousse d'ail, du sel et du poivre. La première opération, on va écraser la gousse d'ail et on va la mettre dans la vinaigrette. On va rajouter le vinaigre. On va poivrer. On va saler. Et vous allez laisser votre vinaigrette comme ça pour l'instant pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va détailler donc la betterave. La betterave, je l'ai pelée, il n'y a plus de peau. Tout petit bout au-dessus. Et on va la découper en quartiers. Et voilà, on met donc la betterave dans un saladier et on va donc attendre 15 minutes que la gousse d'ail macère un petit peu dans l'huile, enfin dans la vinaigrette. Au bout de 15 minutes, on va maintenant enlever la petite gousse d'ail. Voilà. On va assaisonner notre betterave. On va mélanger votre vinaigrette. Hop, voilà. Voilà, vous mélangez bien la vinaigrette. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des pistaches. Vous allez les mettre dans un petit mixeur. Vous allez les hacher. Un petit peu plus fin. Voilà, c'est bien. Et on va maintenant dresser une assiette. Voilà, vous prenez quelques feuilles de salade. Ceci. Hop là. Si je pique ma feuille. On vient mettre un petit peu
d'amandes effilées. Et un petit peu de pistache haché. On peut reprendre un petit peu de vinaigrette. Une salade de betterave nettement plus agréable que celle qu'on nous servait à la cantine. N'hésitez pas à la tester, vous allez voir, c'est très très bon. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube Tous en cuisine avec Seb et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.